Salut tout le monde, bienvenue au vlog numéro 40. Donc aujourd'hui on est en direction de Rouen pour le show FD Fitness. Mais en fait c'est des conférences, nutrition, entraînement et les questions-réponses. Je suis avec Sam et Alex parce que Rémi ne fait pas partie de nous aujourd'hui, il s'est barré le dos au hockey, tel un joueur incroyable. Et moi j'ai failli ne pas faire partie de l'aventure parce que je me remets d'un gros virus que j'ai eu depuis deux jours. En fait, je n'ai pas mangé depuis bientôt 48 heures. Donc tu sais, le jeûne intermittent que tu pousses à un autre niveau, ben c'est ça. Mais vous savez, dans la vie, rien ne nous arrête, nous, chez FD. Donc on est en direction de Rouen, manquez pas ça, vous allez vivre une expérience hors du commun. Donc, arrêt numéro 1 pour manger dans notre road trip en direction de Rouen au Saint-Hubert pour refaire nos forces. Et vous voyez peut-être dans mon visage, je ne suis pas top shape, ça m'arrive parce que j'ai eu un gros virus dans les trois derniers jours. Donc, ça va être mon premier repas officiel depuis 48 heures. Tu sais, quand je vous parle du jeûne, là, non, c'est vrai, j'étais malade, mais je voulais juste vous dire que dans la vie, souvent, quand on se met un objectif, il faut tout faire pour l'atteindre. Souvent, on va dire « je suis fatigué, je veux pas le faire, mon chien a mangé mon devoir ». Bref, on va toujours trouver une excuse. Moi, après avoir ne pas avoir mangé pendant deux jours, je me suis dit que j'avais un show à faire, j'ai 55 personnes qui m'attendent. Donc, il n'y a aucune raison pour laisser tomber les gens de Rouen. On vient de faire notre premier arrêt, puis Sam qui filme m'a demandé ce que j'avais dans mon shake parce que c'était blanc et brun. Puis j'ai expliqué qu'il y avait de la glutamine. Puis la glutamine, pour vrai, c'est un supplément que je trouve sous-utilisé et pas sous-documenté, mais je trouve qu'on devrait lui redonner les lettres de noblesse parce que la glutamine, c'est extrêmement bon. Oui, c'est glucoformateur, ça peut aider dans une diète plus faible en sucre, après un workout, si vous avez une diète qui est bonne, hydrate de carbone, mais moi, je trouve que c'est très utile pour l'intestin. Fait que, tu sais, 20 grammes, 15 à 20 grammes le matin sur un intestin à jeun, là, c'est the best way to go. Puis quand tu reviens en plus d'un trouble gastro-intestinal ou d'un gros virus comme j'ai eu, the thing to take. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui ont été traînés de force qui ne me connaissent pas du tout? 1, 2, 3, 4, bon. Mais en fait, pour faire une histoire courte, je m'appelle Félix Degg, je suis kinésiologue et c'est pas comme Giovanni Apollo, je vous jure que c'est vrai. La première, on va parler d'alimentation. En fait, je vais vous parler de l'ABC de la perte de poids. Comment, à mon sens, on peut perdre du poids, du gras, en fait, de façon efficace, saine et à long terme. Deuxième volet, on va parler de l'hypertrophie. Parce que oui, il y a des gens qui veulent prendre du muscle, de la masse musculaire, ça fait pas d'eux des mauvaises personnes, j'en fais partie. Donc, je vais vous expliquer un peu l'ABC de l'alimentation, comment y arriver de façon saine et efficace. Donc, le concept est relativement simple, je prends toutes vos questions. Je crois que vous avez pas écrit trop des niaiseries, là. J'ai pas quand même pas le choix de répondre. OK, ben le déjeuner parfait, je vous dirais, c'est relativement simple, comme j'ai dit tantôt. On veut quelque chose qui stimule l'acétylcholine et la dopamine. Donc, du gras, des protéines et pas beaucoup de sucre. De cette façon-là, vous allez avoir une drive mentale incroyable. D'où vient l'idée du web magazine? Ah! J'ai jamais répondu à celle-là encore. Bon, j'avais des clients et tout ça, puis moi, je me suis dit, c'est cool, mais j'aimerais ça pouvoir rejoindre plus de monde. Puis là, il a dit, on pourrait partir une infolette à 99 cents, l'infolette. Là, je suis là, Puis après, on a parlé à d'autres espèces de big dans le domaine. Puis on leur a dit, on voudrait faire un web magazine. Un magazine web sur l'entraînement, puis il a dit « Ah, ça marchera pas, vous pouvez pas charger les gens pour quelque chose que vous pouvez retrouver sur Internet. » On était là « Ouais, mais on va aller chercher les meilleurs du Québec, puis ça va être de la vraie information, pas de l'espèce de pipeau qu'on peut retrouver n'importe où, des cochonneries sur santé-nutrition.org. » Moi, je voulais que les gens, pour 15$ par mois, il n'y avait plus besoin d'avoir un trainer, il n'y avait plus besoin de rien du tout, puis il y a des vidéos explicatives de workout à tous les mois aussi, fait qu'apprendre comment faire les mouvements, bref. Ne pas, parce qu'il y a des gens comme ça à Rouen qui aiment ce qu'on fait, qui veulent du stock, mais qui peuvent pas se déplacer à 7 heures de route. Il y a des gens comme Danny qui est consultant pour nous maintenant ici. Mais sinon, le web magazine devient une option hyper intéressante parce que ça leur permet d'avoir des workouts
Sharp, tout ça sans payer 50, 100, 150 $ par mois, ils payent juste 15 $. Fait que c'est un petit peu pour ça. Voilà, c'est tout. That's it. Merci beaucoup tout le monde d'être venu. C'est tout. Le réveil était brutal parce que à Rouen, ça fait le party jusqu'à 4h du matin dans la rue. Mais c'est pas grave. Il y a de la neige en tabarouette. Puis je suis sûr qu'on va arriver à Montréal et il n'y aura pas un grain de neige. La route, ça va être comment tu penses? Ça va être bien. On risque d'écouter encore 42 podcasts d'Alexis sur CrossFit. Puis je vais mettre mes écouteurs Bose, No Introduction. Puis Sam va faire des jokes de gars d'humour en arrière. Une partie de plaisir.